vois pas toi. Je suis là aussi. Bon, Jos, reviens quand même. Jos, reviens. Il est au 30 italien là. Ah bah, il était deuxième après de la course à Naples. Ah, ok, c'est le pire. Julien. Oh, bravo pour la victoire, ça a été. Aujourd'hui, je vais dire un truc, dès que tu dérives les chevaux de Philippe, il ne peut pas t'arriver grand-chose. De toute façon, j'ai toujours dit, avec les chevaux de Philippe, c'est facile, moi j'ai rien fait. Hein. Ah oui, super, magnifique. Et si Philippe, heureusement qu'il est là, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les chevaux de Philippe, ça devient dur. Hein. Au chômage. Chômage non, parce que bon, bah, j'ai quand même gagné les plus grandes courses, hein. J'étais partout, hein. J'étais aux États-Unis, j'ai fait Italie, j'ai fait Canada, j'en ai gagné des courses, mais bon, aujourd'hui, tu as les chevaux de Philippe, tu as celui-là, mais faut pas oublier les autres, hein. Tu as la police. Hein. Ils t'ont oublié alors? Ils m'oublient pas, mais bon, c'est comme ça, aujourd'hui, tu as les jeunes, aujourd'hui, il y a peu de respect dans les pelotons, tu regardes les petits branleurs, ils arrivent, ils ont 18 ans, ils foutent la merde, il y a peu de respect. T'as raison. Mais bon, c'est quoi? Joss, il dit toujours une chose aussi. Hein. Aujourd'hui, tu as des bons chevaux, mais dès comme avant, tu ne trouves plus. Hein. Chikov, Abovolo, tout ça, c'est terminé, Joss. Hein? Ah non, c'est pas mal, les chevaux à Philippe. Ah, pas mal. Mais heureusement qu'il est là, Philippe. Ah, heureusement. Et heureusement que Joss aussi, il est là pour les gagner. Hein. Joss Berantissime, tu as été surpris d'être pris de vitesse au départ? Non, c'est moi qui a... Je voulais, bien vu que les deux, Jean-Étienne et... À la côte, le numéro 1, ils voulaient tous les deux prendre mon dos. Je dis, ils vont se bagarrer entre eux. Après, je vais voir comment ça se passe. Et quand l'Italien est venu aux tribunes? Ouais, il m'a fait avancer, mais c'est pas les mêmes. En face, t'as contrôlé puis t'as placé une accélération décisive pour finir? Ouais, en face, il m'a fait rouler un peu, mais moi, ça me dérange pas, les miens. Aucun problème. Avant le coup, il courait tout seul? Ben, normalement, oui. Normalement, oui. Sur le papier, oui. Mais il faut toujours le gagner. C'est quoi sa principale qualité, ce brillantissime? Il est vraiment... C'est une voiture, on a l'impression, il fait comme invincible. Ah ouais, il fait tout. Hein. Il peut aller devant, il peut aller derrière. Ici, il préfère aller devant. On va à Seine, quand c'est une grande piste, 2007, je préfère, parce que comme il va très très vite, s'il m'amène bien, il n'y a personne qui peut sprinter comme lui. Hein. Et est-ce qu'on pense à l'étranger avec un cheval comme ça pour la saison prochaine? Je sais pas, ça c'est... C'est pas moi qui décide, hein. Ça c'est Philippe. Mais toi, tu trouves qu'il a les caractéristiques pour réussir à l'étranger? On a l'impression que c'est vraiment le profil type de cheval pour ça. Ouais, mais on va aller où? Il n'y a nulle part, il y a encore de l'argent. En France, il y a de l'argent. En Belgique, il n'y en a pas. En Hollande, il n'y en a pas. La Suède, c'est trop cher les amendes. Alors, c'est mieux qu'on reste national.